Écoutez, pour moi, il n'y a pas de réel problème de financement des TPE et des PME, au moins pour trois raisons. D'abord, en tant que banque du territoire de Basse-Normandie, on a une réelle communauté d'intérêts entre la banque et son territoire. Et d'ailleurs, ça s'illustre assez facilement, hein, puisqu'on a plus d'un chef de TPE, chef d'entreprise TPE-PME qui est client chez nous sur trois. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, tous les éléments objectifs à notre disposition, qu'ils émanent de la Banque de France ou d'autres sources, nous montrent que finalement, ça se passe plutôt bien. Les encours de crédit progressent. Quand on interroge les chefs d'entreprise, ils nous expliquent qu'à la très très grande majorité, ils obtiennent les financements quand ils en ont besoin. Ben, j'ai envie de dire mieux, mieux, mieux. C'est aller plus loin par rapport à quelques illustrations. D'abord, peut-être mieux expliquer le rôle du banquier, notamment dans l'accompagnement du territoire et notamment dans la bonification des projets que nous présentent les clients. Il y a un vrai intérêt à coopérer sur le sujet, à s'enrichir mutuellement pour fiabiliser les projets. Le deuxième élément, un conseiller, pour qu'il soit compétent, pour qu'il puisse apporter une très forte valeur ajoutée à son client, ça suscite une vraie exigence de formation. Et on expérimente depuis quelque temps déjà l'alternance, et je pense que c'est certainement un canal qui marche bien et qu'il faudrait renforcer. Et puis le dernier point, c'est là aussi mieux faire connaître tous les dispositifs qu'ont mis en place les banques, bien évidemment, mais pas que les chambres de commerce, les chambres des métiers, les tribunaux de commerce, la Banque de France, pour appuyer les chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés temporaires ou plus que structurelles, pour pouvoir les accompagner suffisamment en amont pour pouvoir trouver des solutions plus facilement et les aider à passer un cap difficile.